14h20, sous le chapiteau du Champ de Juillet, top départ pour 2h30 de compétition. Qu'est-ce que vous faites ? Le tartare de Palerons. Avec quoi ? Avec en ravioles de betterave avec une vinaigrette aux fruits rouges. Rivaliser d'audace. C'est la mission des 5 binômes des lycées Jean Monnet et Saint-Jean de Limoges pour espérer remporter ce concours de la Limousine dans tous ses états. On espère qu'il sera dans tous ses états. On a deux morceaux de viande. Là, on a un morceau de viande qui est une viande plutôt de cuisson longue, qui est le paleron. Donc ça va. Je pense que tous vont partir sur des cuissons longues pour ce morceau. Et ensuite, on a un faux filet qui, lui, est plutôt une viande à griller. Pour séduire le jury, composé de grands chefs, la concentration est à son apogée. Cela rappelle quelques souvenirs à la première gagnante de l'émission Masterchef en 2010. J'aime bien être jurée de concours parce que c'est vrai qu'on est de l'autre côté du miroir. Non, c'est chouette, c'est beau de voir leur motivation, leur énergie, et puis de voir travailler, de pouvoir être de l'autre côté, goûter, tout ça, c'est chouette. Chouette de voir ces candidats donner tout leur savoir, faire du beau et du bon avec des motivations diverses. Parce que j'aime bien la cuisine et en tant que végétarien, je trouverais ça pas mal sur le CV de gagner un concours de viande, du coup. Même de palerons sauce agrumes, ballotines de faux filet, bœuf, pommes, châtaignes, on salive d'avance à l'énoncé des plats de ces chefs apprentis qui sait, seront peut-être les Bocuse de demain.